Mousseline, certes, aujourd'hui, on parle du rap dans ces pays. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, le rap que vous faites peut vous apporter, s'il faut, des trophées? Parce qu'on le sait, il faut quand même, il faut qu'on se dise la vérité. On a des grands rappeurs ici, mais qui n'arrivent pas à décrocher des grands prix. Hein. Voilà, allez-y rapidement, on vous écoute sur cette question et on va continuer. Bon, je pense que on peut le faire si le public est décidé. Parce qu'il y a le public qui est là, il y a des gens qui consomment. Maintenant, il faut aussi suivre l'artiste, soutenir l'artiste, parce que l'artiste seul ne peut pas ramener des trophées. Aujourd'hui, il va en remporter des trophées ici en Afrique, or qu'il n'est pas meilleur rappeur africain. C'est nul pour moi. Attends, Mousseline, un instant. Ibawan, c'est nul. Rappeur malien. C'est un nul. Il est trop nul, ce gars. Il est trop nul. Ces derniers temps, il a raflé plusieurs trophées. Il remporte des 90 000 trophées. Il est nul. Il est nul. C'est toi qui le dis. Je te le jure, il est nul. Il est nul. Pourquoi tu dis ça? C'est parce que tu es contre Mousseline. Eh, mon grand. Franchement, moi, je te respecte. Je respecte Esbo Rap. Je respecte tout ce que vous faites, parce que être un artiste, c'est pas donné à n'importe qui. Malgré que il fut un temps, il y a des jeunes qui sont sortis, ils ont dit que vous, Esbo Rap fait pas du bon rap, que votre rap est démodé, ce que vous faites est à l'ancien. Moi, je suis sorti, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, les gars, il faut respecter Esbo Rap. Les gars, ils rappent bien. Mais tu sais, dans le game, il faut respecter ton ami. Il faut respecter ton ami. Ibawan, il faut le respecter. Dans ce domaine, ça, il faut le respecter en matière de rap. En plus, tu as le même style de rap que Ibawan. Quand je dis le même style de rap, vous rappez tous dans vos langues maternelles. Ibawan, c'est ça sa force aussi. Et puis, c'est un créateur. Ibawan, il a raflé 5 trophées du 12 au 21 décembre, novembre dernier au Africa Music Award organisé à Lagos, au Nigeria. 5 trophées. Il a été meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest. Il a eu le meilleur album de l'année. Il a eu le meilleur album solo ou du groupe de l'année. Il a eu le meilleur artiste masculin inspiration de l'année et meilleur auteur-compositeur de l'année. C'est pas n'importe qui. Ça, c'était au Nigeria. C'est pas au Mali. Si on lui donne tous ces trophées au Mali, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je vais dire, ouais, c'est comment ça s'appelle, c'est un artiste, c'est les Maliens qui ont fabriqué ces trophées pour l'octroyer. En plus de ça, il a raflé le trophée au Promude, prix des musiques urbaines organisé en Côte d'Ivoire par le Moula. Donc, Ibawan, il faut le respecter, frère. Ça, je ne vais pas te cacher ça. Il faut respecter Ibawan. Malgré que tu es mon frère, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Vous êtes des artistes. Respectez-vous les uns les autres. Être un artiste, ce n'est pas donné à n'importe qui. À plus forte raison, rafler des trophées internationaux. Si tu n'as pas de trophée aujourd'hui, ne t'en veux pas. Parce que dans la vie on a nos chances aussi. Mais le travail paye aussi. Ibawan, c'est un bosseur. Il faut le respecter. Voilà, malgré que c'est un Malien, moi, je suis là pour franchement te dire la vérité. Respecte-le en tant que rappeur. Tu es un rappeur, respecte Ibawan. Ses trophées, il ne les a pas achetés au marché. Il les a eus avec sa sueur. Voilà.
Donc, c'est ce que je voulais te dire. Respecte Iba One. Il n'est pas n'importe qui dans le rap ouest africain. Même dans le rap africain. Dans les domaines où il rappe, c'est son domaine. Il maîtrise vraiment le sujet. Comme toi. Voilà, c'est la même chose. Il faut le respecter. Voilà. La famille, s'il vous plaît, mettez-moi dans vos commentaires par rapport aux propos de Mousseline à l'encontre de Iba One. Voilà, grosse force à vous, on est ensemble. Ah!